Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo terrifiante. Salut à tous et à toutes, c'est Blastai, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau pack de textures. Alors, ce pack de textures, il s'appelle Nate's Halloween Resource Pack, machin. De toute façon, ça sera dans la description. Donc, on va se retrouver, je vais vous montrer, vite fait, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Alors, ceci est un gâteau. Alors, en fait, c'est le deuxième épisode, juste pour vous dire un peu, c'est le deuxième épisode de l'espèce de petite série où je vous présente des packs de textures qui peuvent ressembler étrangement à des mods, parce qu'ils sont un peu... what the fuck. Donc voilà. Alors, on va commencer par vous montrer le gâteau qui ressemble un peu à une tarte à la citrouille, je veux bien vous l'avouer. Donc voilà. Après, on a les portes. Celle-là, ça fait un peu prison, un petit peu. Donc voilà. Et celle-là, je sais pas, elle est pas très... Oh my gosh! J'allais dire, elle fait pas très Halloween, mais je sais pas si vous avez entendu ce bruit. J'espère que vous l'entendez. On entend une espèce de... comme les cuisses, quand les grincements là, de porte à vous glacer le sang. Donc ça, c'est un levier. Un bouton. Ça, c'est les rails. Ils ne nous ont pas vraiment changé. Là, c'est une torche. Voilà. Une torche. Et quand on la pose sur le mur, ça donne ça. Voilà, comme les autres torches. Et ça, c'est une torche de redstone. Ensuite, ça c'est l'eau, de l'eau verte. Ça c'est bloc d'or, or, bloc de métal, métal, charbon, bloc de charbon. Ça c'est de la masse, ma TNT. Ah mais c'est bizarre parce que le bateau il est comme ça dans la main. Bon, alors excusez-moi, je viens de péter ma TNT. Ils appellent ça une explosive punking. Hein. Mais c'est une TNT. C'est une TNT. Ils appellent ça explosive punking. Hein, parce que pour faire un peu plus Halloween. Donc là, c'est lapis, redstone et diamant. Le diamant est vraiment pas mal comme ça. En plus, il brille. Regardez. Alors attendez, on va attendre. Je sais pas si vous avez vu, mais des fois, il brille. Bon, voilà. Ça, c'est la glowstone. Ah, voilà, il a brillé. Ça, c'est l'obsidienne. Ça ressemble plus à un bloc normal. Hein, voilà. Ça, c'est les bibliothèques. Ah, vraiment magnifique ça. Ça, c'est Jack-o'-lantern. Ça, c'est le lit. C'est le jukebox, table deck, le four, la table de craft. Ça, c'est le coffre. La table d'enchant qui est vraiment pas mal. Et j'aime bien aussi l'espèce de truc. Ah ouais, mais non, hein, tu vas me saouler. Tu vas me saouler. Ça, alors ça, c'est une cobble wall, là, une barrière hein, bizarre en cobble. Et je trouve que moussu est vraiment pas mal. On dirait comme s'il y avait un truc qui rentrait dedans. Donc là, c'est des tableaux. Pas mal. Oh, la lune! Oh, j'avais pas vu la lune. Non, vous voyez ce que je vois? Rouge et tout. Ah, elle est pas mal. Elle est vraiment bien, la lune. Donc là, c'est les tableaux. Et on a même une petite dédicace à Iron Man. Voilà. Donc là, c'est le chaudron. C'est pas terrible, hein, quand même. Hein. Ça donne pas envie de goûter. Mais ça fait un peu plus Halloween. Hein, donc je trouve que ça respecte totalement. Moi, j'attends le grincement. Bon, ça, c'est les hoppers. Je pense qu'ils se sont pas attardés dessus parce que... H15 item coventer qui sont pas attardés dessus, mais bon, ça fait un peu matériel de scientifique. Voilà, donc après là, c'est dispenser et machin. Enfin, je crois, ça le beacon, je crois pas qu'ils l'ont changé. Ça, ils l'ont rendu un peu plus dark. Alors maintenant, on va passer
aux armures. Alors ça normalement c'est l'armure. Ah, parce que donc ça c'est l'armure en diams, je crois. Parce que le problème c'est qu'eux ils disent eux ils disent pas c'est en quoi c'est, mais ça je crois que c'est en ça c'est en diamant si je dis pas de bêtises, ça c'est en fer, ça c'est en cuir et ça c'est en or je crois. Donc tant c'est diamant, or, fer et cuir. Alors par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va tester vite fait. Ah ça rend bien. On dirait un peu genre on dirait un peu les cosplays. On passe à travers les trucs. Tin, 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 tin. On est trop fort. Donc voilà. Ensuite, on va essayer. J'aime bien. J'aime bien, j'aime pas mal. On va essayer le creeper. On va essayer la momie. Oh, les armes, elles m'ont l'air pas mal. Hein. Surtout l'arme en diams, là, je viens de voir un truc qui va me plaire, à mon avis. Ensuite, robot. Ah, on a oublié les pieds. Et il reste quoi? Ah oui, non, ça on l'a déjà. Donc on va profiter pour regarder. Mais ça c'est quoi en fait? Magic Girl. Nanana. C'est une armure en quoi alors? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, on va essayer les autres cosplay. on va dire. Alors. Attention, je vais exploser. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on va rester comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais là? Excusez-moi, j'ai. Putain, ça m'énerve. Hop, 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 hop. Ça c'est moins bien, j'aime pas. Et voilà, carrément. Je l'enlève parce que j'aime pas du tout. Et le robot. Où est la tête? Bon, le robot c'est pas mal, je vois ici. Mais. Et donc voilà. Donc ça c'est pour les. Ça c'est pour les armures. Ensuite, les armes. Hop là. Donc, on a une épée en diamant avec du sang dessus. Une espèce de grande épée de stone. Une golden sword. Et un petit bâton un peu ridicule quand même. Pour le truc de bois. Bon, pour l'arc, bon, pas mal. Pas beaucoup de changements, je trouve. Hein, donc, pas mal quand même. Wooden axe. Bon, ça c'est pas mal. Ah, j'aime bien par contre le briquet. J'aime pas mal. Alors attendez. Voilà. Donc, je reviens. Ça c'est pas mal. C'est pour bâcher. Bêcher. Bêcher. La bouffe elle est pas mal. Le cookie on dirait un peu un donut quand même. Hein, mais sinon c'est pas mal. Le bread c'est du pain avec des trucs comme ça. Par contre, la rotten flesh est un peu dégoûtant. Ah, j'aime bien l'animation sur la baguette potatoes. Voilà, le poulet, on dirait plus du poulet, c'est vrai. Les blocs sont un peu plus dark. Tan, 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 tan. Mais je crois que c'est pas pour rien. Hein. Ah, ça, c'est un truc avec une araignée dessus, ça a l'air pas mal. Ouais, y a une espèce d'araignée dessus. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, la décoration, bon, c'est bien. Les champignons aussi. Mais comme je le dis, ça fait beaucoup, ça fait très Ah, le bloc de slime est bizarre. Ça fait très excusez-moi, je vais reprendre. Ça fait très comment dire Halloween. Donc je sais que c'est un bloc c'est un truc spécial Halloween, mais n'empêche que c'est vraiment je trouve ça vraiment bien fait en fait. Je trouve ça vraiment ouais, vraiment bien fait.
Ce pack, hein, mais si vous voulez faire une aventure, par contre, c'est pas du tout le bon pack. C'est pas le pack pour faire une aventure, hein. C'est le pack pour par exemple pour faire si vous voulez faire une maison hantée par exemple un truc comme ça et que vous voulez le mettre en téléchargement par exemple c'est le bon pack ça. C'est le bon pack. Donc j'essaye les têtes les unes après les autres, elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Ah, on a un bout de cerveau là, perc. Et la tête qui ressemble à rien. Enfin, j'ai pas compris, c'est un peu bizarre. Après, il y a le slime block. En fait, je l'avais pas parce qu'il était un peu orange. Alors, bon, après, y a rien de spécial. La redstone, bon, c'est pas terrible, hein. On peut le dire, les rails aussi. Bon, les rails, ça change pas tellement, tellement. Ah, le milk, on dirait un peu du sang. C'est marrant. Candy corn, c'est quoi? Je sais pas ce que ça représente dans le vrai truc. Ça, c'est les cassettes au lieu de des CD, ouais. C'est pas bête. Donc ça, on avait vu. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça, par contre, je trouve ça vraiment bien. Mais c'est bien s'il l'avait fait comme dans le premier, un peu plus 3D. Ça serait mieux. Ça, alors, en fait, les splatchs, c'est un peu, on dirait, des grenades. Sinon, le reste, ils ont pas changé. Ouais. Pas mal, avec un petit bonbon. Ça, c'est. Ah, c'est des seeds. Les plumes, os, sucre, nether. Truc de. Ah, Netherwart. Alors, il y a un truc que j'aimerais bien voir quand même, alors. C'est. Comment sont les mobs? Et ouais, et donc je vais en faire spawner. Parce que je pense qu'ils ont un peu modifié les mobs. Ça serait vraiment bien s'ils les ont fait. S'ils ont modifié les mobs. C'est tout ce que. Ah, mais comme on s'est mis en peaceful. Alors. Se mettre en easy. Voilà. Juste pour pouvoir les faire spawner. Après, je repartirai. Alors, le creeper, il a une espèce de truc sur la tête. Le squelette, il est un peu plus. Bah, je sais pas. Ça dépend en fait après de votre goût. Attends, l'araignée, elle est. L'araignée, elle est plus belle en tout cas, moi je trouve. Le zombie, un peu plus gore. Ouais, je trouve ça un peu plus gore. Ça fait plus humain, les zombies. Bon, Undermite, je crois pas qu'ils ont changé grand chose. Après des slimes rouges, c'est pas bête comme idée par contre. Hein. Bon, les zombies pigmen, ils ont pas changé à part l'épée, mais qui a changé automatiquement. Et les Enderman. Ça fait un peu docteur qui veulent vous opérer et tout. Ok. Alors, on va repartir en Peaceful, parce qu'en plus ça me pète les oreilles. Et donc voilà, et ah oui, dernier truc, mais ça on n'a pas besoin d'être en peaceful pour le faire. On a besoin d'être en une difficulté spéciale. Juste, désolé. Juste, ok, bon ça va, on est dans les temps. Je viens de faire un bruit dégoûtant. Bon, je vais pas faire spawner de ghast, hein. Par contre, une witch, j'ai bien envie d'essayer parce que. Comme c'est un peu ça le truc. Alors, pig, sheep, cow. Duck. Ah oui, ils ont mis duck au lieu de poulet. Chien, mushroom, oslo. Bon, après cheval, tout ça j'ai pas envie. Et les villageois, on ira voir là-bas. Donc, on va commencer par faire spawner. Bon, ça il sera pas changé. Ça n'a pas changé. Ça fait un peu plus sanglier. Ça fait plus mouton. Enfin, c'est un peu plus réaliste. Les vaches aussi sont plus réalistes. Enfin, après ça dépend. Bah, ça en fait, ça change carrément, mais c'est pas mal. À part le truc noir qu'ils ont sur le bec, c'est un peu bizarre, mais sinon, ça a pas changé. Ça n'a pas changé. Et Witch. Bon, là, je vois pendant une demi-seconde, ça a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est moche.
sirop le... Parfait. Bah, de toute façon, je pense que ça va être un peu la fin. Voilà. De cette petite vidéo. Voilà, où je vous montre encore un pack de textures pas mal. Donc voilà, donc en tout cas, si ça t'a plu, tu peux toujours t'abonner, toujours mettre un pouce vert, toujours mettre un commentaire. Et surtout, n'oublie pas de me donner d'autres packs de textures que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Ou alors je me débrouillerai pour en trouver, mais bon, c'est bien si tu m'aides. Et puis comme ça, je dirai ton pseudo, par exemple, si tu t'appelles Citrouille, et ben, je dirais Citrouille, voilà, Citrouille m'a donné un pack, voilà. Donc voilà, en tout cas, je vous dis bye bye. Allez, salut les gens.